Eh bien salut à tous les amis, Cédric Cis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va au top du top comme d'habitude. Et aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et les amis, aujourd'hui nous sommes sur quelque chose d'un peu particulier. Je suis avec le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. Mais pourquoi est-ce que c'est un peu particulier? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas la même tenue que d'habitude. Vous allez le découvrir tout de suite les gars. Aujourd'hui j'ai ma petite tenue EUP et regardez comment ça claque. Franchement c'est trop stylé, les collègues ont un masque Covid, moi j'ai un espèce de petit foulard pour cacher mon visage hein, pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours le Covid. Et d'ailleurs protégez-vous car ces derniers temps les cas de Covid ont tendance à remonter. Donc si jamais vous ne voulez pas être confiné ou ne pas resubir un couvre-feu, je vous invite à prendre vraiment la plus grande précaution vis-à-vis du Covid les amis. Voilà petit côté sensibilisation par Drixis. Aujourd'hui les gars, qu'allons-nous faire? Eh bien tout simplement une patrouille gendarmerie avec le PSIG, la petite Ford Focus que j'ai réalisée qui est disponible au téléchargement sur ma page Urgence Mode. Donc à quelle heure nous partons? Oula, j'ai failli bugger, excusez-moi. Il est tout simplement midi dans le jeu, nous allons patrouiller jusque dans la nuit. Donc on verra si les interventions tombent, eh bien tant mieux. Si jamais ça ne tombe pas, eh bien tant pis, on va quand même patrouiller, faire du contrôle d'individus, de véhicules. Et si jamais il y a plein d'interventions, c'est encore mieux. Allez, du coup les amis, avant de commencer quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper, c'est super important. Allez, du coup, ce que l'on va faire sans plus attendre, c'est tout simplement monter dans le véhicule. Au début, je voulais prendre un Skoda Kodiaq, mais malheureusement, j'ai un petit problème, j'ai un personnage qui est mal positionné et du coup, il dépasse du véhicule, donc il faut que je retrouve la bonne version que ITXZ m'avait envoyé. Ce véhicule, vous le connaissez, regardez, hein. C'est celui-là tout simplement. Hein. Petit doton gendarmerie. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être pas mal. Allez c'est parti, on y va, il est quelle heure dans le jeu là? Il est 13h04. Donc c'est parti, début de patrouille du PSIG sur la commune de Sandy. On se met disponible. Ok, impeccable. Regardez, il y a les collègues là, on est tous dans le véhicule. C'est plutôt pas mal. Allez. Voilà, donc début de patrouille les gars, commune de Sandy. On n'a pas réellement de secteur approprié car nous c'est un petit peu toute la juridiction gendarmerie nationale sur laquelle on va patrouiller. Donc on peut aller sur Grepsit, Sandy, Paleto Bay, Blaine County, Harmony. On va vraiment partout. Donc dès qu'une intervention nécessite l'intervention du PSIG, eh bien nous allons pouvoir intervenir. Il faut savoir aussi qu'il y aura de grosses modifications l'année suivante en 2022 par rapport au PSIG, pardon. Tout simplement, les 3000 postes de gendarmes adjoints volontaires vont être transformés en 3000 postes de sous-officiers de gendarmerie. Et également, ils vont recevoir du nouvel armement, des nouveaux équipements de vision nocturne, enfin plein de choses. J'ai vu ça sur un article de journal. Donc, c'est vraiment incroyable et tant mieux pour les hommes du PSIG, car c'est vraiment pas un métier évident qu'ils font et encore moins la spécialité. Donc, du coup, tant mieux pour ça. J'espère que. J'aurai quelques informations supplémentaires par rapport à ça pour vous refaire une petite vidéo avec le PSIG et pourquoi pas vous présenter ça en vidéo, ce serait vraiment sympathique. Allez, donc c'est parti les gars, nous, on est en direction de notre petite patrouille là. Alors attendez, là il y a un motard non casqué devant nous, donc il va se mettre sur le bas-côté. On va faire un petit contrôle. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a intérêt de coopérer, sinon ça va pas se... passer comme prévu. Ok. Hop. Allez les gars, on va procéder au contrôle. On va aller voir ça. J'espère qu'il va pas me faire un refus d'op. Voilà, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, remontez les gars, remontez. On va aller le récupérer. Là, apparemment, j'ai annulé le contrôle routier. Ils sont sérieux là. Bon bah les gars, on va annuler ce contrôle routier parce que les mecs ils sont pas foutus de monter dans le véhicule. C'est pas grave hein. Hop, moi je vais en profiter du coup. Hop, pour faire ça. C'est sérieux là, ils savent pas sauter hein, une rambarde et ça, ça fait partie du PSIG. Bah bravo hein, l'unité prestigieuse hein. Allez, dépêchez-vous de monter dans le véhicule. Bon, on abandonne le contrôle routier sur le scooter, c'est pas grave hein. Merde, je vous l'annonce les gars, il y en aura d'autres, il y aura... très certainement de très jolies interventions. Bah regardez, vous voyez, on abandonne un contrôle routier pour en faire un autre. Allez, sur le bas côté là, lui il a grillé un stop tout simplement. Oh,
Est-ce qu'il me ferait pas un refus d'obtempéré là? Eh bah si les gars. Je crois bien qu'il fait un refus d'obtempéré. Ok, bah c'est très bien. Allez, parfait. L'individu refuse d'obtempérer au contrôle de gendarmerie. Donc c'est parti, j'ai demandé une patrouille en renfort. On est derrière l'individu. Donc j'ai pas d'informations. Véhicule check, je vais essayer de récupérer la plaque. Ok, bah voilà les gars, deuxième contrôle routier, le premier n'a pas abouti, le second il va aboutir à une course poursuite car l'individu refuse d'obtempérer et est immobilisé sur le bas-côté. Il y a les collègues qui se présentent sur la zone de l'intervention pour prendre la poursuite. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous, ça sert à rien. Allez-y, arrêtez-vous, arrêtez-vous là. Oh là là, il va jamais s'arrêter le mec, il va pas vouloir coopérer. Oh, il m'a fait peur lui avec sa mégane là. Ok, ok, il percute le véhicule. Ok, bon voilà, on tourne en rond là. Ok les gars, ce que l'on va faire c'est qu'on va essayer de l'interpeller. Je vais demander un barrage, rapidement. Donc la police municipale ou la gendarmerie qui va mettre ça en place. Ok, la police municipale. Oh, le véhicule est rentré dedans. Le véhicule est rentré dans le barrage. Sortez du véhicule. Ok, la police municipale l'interpelle. Ok les gars, regardez. Moi et mes collègues du PSIG, on est en train d'interpeller l'individu. Franchement c'est magnifique. Je suis le seul à avoir une arme lourde. Ok, c'est bon, impeccable. Tout de suite, stop trafic. Et c'est interpellé. C'est parfait. Partez pas tous là, partez pas tous. Tu me fais une palpation de sécurité s'il te plaît, rapide là camarade. Des véhicules, enfin request ped, check. Et on va le faire évacuer par une autre patrouille parce que vous avez bien vu que moi mon véhicule est complet car nous sommes 4. Donc aujourd'hui les gars je vais pas faire le transport hein. Ok. Il y a du stup sur lui. Allez vous me l'évacuez les mecs. Ok. Voilà voilà voilà. Et toi évite de me percuter avec ton véhicule de police municipale. Ok, la dépanneuse se présente pour évacuer le véhicule. Et puis pour nous, c'est très bien, retour en patrouille du coup. Donc voilà, on a voulu faire un contrôle routier, ça se finit au refus d'obtempérer. On a quand même réussi à neutraliser l'individu. Ok, un véhicule des forces de l'ordre qui aurait été dérobé. On va aller voir ça. J'ai pas forcément un véhicule adapté pour faire de l'off-road. Oula ! Oh la bête ! Il m'a fait peur celui-là. Ok. Un véhicule de gendarmerie, j'imagine, parce que j'entends un deux-tons gendarmerie. Ok. Ok, les gars, on se met en position, là. Ok, c'est ça. Véhicule de gendarmerie. Il s'est planté, il s'est planté. Attendez, attendez, les mecs, attendez. On remonte dans le véhicule, on va reprendre la poursuite. Allez-y, remontez dans le véhicule, là, dépêchez-vous de remonter là-dedans. Et on va se greffer sur la poursuite, là. Le véhicule aurait été perdu, apparemment, mais non, nous, on va le retrouver. Ok, il est par là-bas, le véhicule. Les gars, moi, je vous annonce, celui-là, il va pas se barrer, hein. On va se le faire. Et si on pouvait faire que des courses-poursuites en psych, franchement, ce serait ouf, hein. Il est là-bas. Il est là l'individu. On a recollé à la poursuite. Je lui ai rien crevé en tirant dans le véhicule. C'est qui? C'est une femme. Ok, je sais pas pourquoi elle a volé un véhicule de gendarmerie. Elle aurait jamais dû faire ça. En plus là, on approche de la fin de journée et il commence à faire nuit. Je vais demander tout de suite des patrouilles. Harmony. Ok, regardez, les collègues ont mis des hertz. Copy dispatch. Victor 13 is in the air.
Il est passé dans l'air. S'il est pas, elle est passée dans l'air. Ah, sortez du véhicule, là, sortez du véhicule. Ok, ils interpellent, ils interpellent. Il y a l'hélicoptère de la gendarmerie là qui est présent, c'est Dragon qui est sur place. Vous approchez pas, monsieur, vous approchez pas. Ok. Hey, tout de suite. Tout de suite, vous me l'évacuez. On perd pas de temps. Allez-y, vous me la prenez. Rapide. Le véhicule du collègue là. Auto service. Small tow truck, yes. Allez, puis pour nous, c'est tout bon. Regardez, les collègues arrivent là. Allez, on peut remonter dans les véhicules. Le PSIG avec moi. On remonte dans la Mégane. Dans la Focus, excusez-moi. Et tous les collègues ont sécurisé la zone. Regardez, la police municipale et tout. Impeccable. Allez, tout le monde quitte la zone. Et nous, on rétablit la circulation. Il fait des doigts à qui, lui? Ok. J'ai vu qu'il... Non, il a fait un doigt à la gendarmerie, là, ou pas, lui? J'ai bien cru, hein. Bon, il a de la chance. Il a beaucoup de chance. Allez, on va patrouiller sur ce secteur-là, nous, du coup. On va retourner au niveau de Harmonie et tout. Par là. Et puis, là, il se fait quelle heure, les gars? Il se fait 17h50, hein, donc c'est l'hiver, le jour tombe assez tôt là, la nuit se lève tôt, donc c'est impeccable. On va pouvoir entamer cette patrouille nocturne PSIG. Je crois que j'en ai pas encore fait avec cette tenue là. Bah là c'est la deuxième vidéo que je tourne de toute manière avec EIP en gendarmerie. Ma dernière patrouille à proprement parler de gendarmerie nationale sur ma chaîne YouTube est datée du 7 novembre. J'ai regardé avant parce que je me suis dit ça fait longtemps quand même. La dernière vidéo gendarmerie que j'avais fait, c'était haute poursuite avec la Renault RS. Et franchement, c'était plutôt pas mal. J'ai bien kiffé. Donc la dernière vraie patrouille à proprement parler, comme je suis en train de faire là, datait du 7 novembre. Donc ça fait quand même quasiment 20 jours, les gars. Hein. Ça fait 19 jours précisément. On est le 26. Donc c'est parfait, ça. On a fait pas mal d'Américains ces derniers temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. La vidéo d'hier, moi, franchement, c'était un plaisir à tourner, là, avec les sapeurs-pompiers de Blaine County. We've got a suspect resisting arrest. Speed poursuite. Route 68. Intervention annulée. Ok, très bien, c'est pas grave. Si c'est pas ça qu'on fera, ce sera une autre intervention. Allez, on patrouille tranquillement, là, sur Harmony. On est disponible, hein. On va faire un petit tour de patrouille et puis dès qu'il y a une intervention, les gars, on va se la faire. Oh, il y a un chien en liberté, là. Il est à qui, cet animal? Ok, je sais pas trop à qui il est, ce chien. Bon, il est certainement aux deux monsieur là-bas. Je vais ranger mon arme, hein. Monsieur, bonjour. Si c'est votre chien, je vous demanderai de bien vouloir l'attacher, s'il vous plaît, parce qu'un chien s'est attaché, surtout qu'il était au bord de la route, là. Donc ça met tout le monde en danger, y compris lui aussi. Petite sensibilisation, les gars, on laisse pas un chien sans laisse, sans surveillance, au bord d'une route. Donc voilà, hein, on fait un petit rappel aux gens, et puis ça évitera des problèmes. Welfare check request, non, Mirror Park, franchement, ça fait de la route, hein, donc on va pas y aller. Nous, on va se contenter de rester sur notre secteur en PSIG. Allez. Il doit être pas loin de 19h là maintenant. C'est parti. On repart en patrouille. Vivement que la nuit tombe. Hein. Ok, on prend l'intervention. Ok, on prend l'intervention, les gars, on part pour une personne qui prendrait une autre personne en otage. Enfin, des otages apparemment. Donc c'est parti, on y va là. Allez, je me dépêche de me rendre sur place, j'ai mis mon casque maintien de l'ordre. Donc c'est parti, j'ai 5 km à faire, la chance que j'ai c'est que c'est sur la même autoroute que là où je me situe. Donc allez, je me dépêche là, hein. Vous avez vu, il fait nuit, il n'y a pas eu d'intervention entre 18h et
Et minuit là, il doit être pas loin de minuit j'imagine hein. Et donc on se transporte sur l'intervention là. Je sais pas du tout s'il y a d'autres équipages qui sont en route. J'imagine qu'il y a la police nationale, les équipages BAC qui doivent très certainement se rendre sur place aussi. Il faut que je reste sur cette voie là. Et je me dépêche, là je fais le plus vite possible pour éviter que les otages soient trop longtemps en danger et pour avoir la main sur la situation et pouvoir entamer des négociations. J'ai vraiment eu de la chance que je sois sur l'autoroute à ce moment là surtout hein. Parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ok, j'arrive sur place là les gars, un peu plus d'un kilomètre. C'est au niveau de l'hippodrome je crois bien. Faut que je sorte ici. On va éviter de trop mettre le deux tons. Parce que s'il y a un forcené qui nous entend. Oh là, qu'est-ce que je fais? Moi je fonce dans le véhicule, enfin dans la... sur le côté avec mon véhicule. Allez, je coupe les gyros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher tout doucement. On va vraiment s'approcher le plus doucement possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me garer ici. Hop. Avec mes collègues. Je vais faire un truc. Je vais les retirer, je vais en reprendre. Et je vais que tout le monde ait des casques MO. Donc c'est parti. Les gars, on y va là, on avance. Hop. Je vais faire ça aussi. Ok. Allez, on y va. On avance en direction de la zone. Ok, j'ai mis ma lampe. On va progresser le long du mur. Ok, pour l'instant, j'ai rien par là. C'est où les collègues? Ils arrivent. Ok, la colonne du psy est en train de progresser vers la zone. Ok les gars, là faut rester concentré. Je pense qu'il faut sauter le mur et que c'est plus à l'intérieur du bâtiment là-bas hein. Ok. Oh ça tire. Ok les gars, ça tire là. Ok, je suis face à face avec les preneurs d'otages là. Ok, là ça tire. Ok les gars. Il y a les collègues de la police qui se présentent. Il y a les collègues de la police qui se présentent. Ok, je pénètre dans le bâtiment, je pénètre dans le bâtiment. Ok, il y en a encore un autre, il y en a encore un autre. Ok, les otages sont là, les otages sont là, ils ont été abattus apparemment. Bah c'est pas apparemment, c'est les otages ont été abattus malheureusement. Y'a rien ici. Cette porte est condamnée également. Je demande tout de suite, je demande. Les sapeurs-pompiers. Allez. Ok, ici c'est les toilettes. Ok les gars. Y'a les SP qui se présentent. On va se continuer de sécuriser la zone. Il y a l'hélicoptère de la sécurité civile qui se présente. On va continuer de sécuriser la zone. Ok, les moyens SP sont là. Il y a les autres VSAV qui arrivent. Le dragon va se poser. Salut, merci. Ok les gars, il faut que je continue de sécuriser la zone.
Là, il y a le fourgon qui s'est présenté ici. Ok, ça m'a l'air d'être déjà pas mal sécurisé par ici. Oh là, il y a un problème au niveau de la tenue, les gars, là. Okay. Là-bas, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ok. Je suis pas certain, mais je crois que l'hélicoptère, il fait plus partie de ce monde. Ils sont où, mes hommes, là? Ouais, bon, l'hélicoptère, malheureusement, il a pas pu se poser. Ok, les gars. Allez-y, vous avez des victimes à l'intérieur. Vous avez des victimes à l'intérieur, hein. Je sais pas si mes hommes sont encore dedans. Ah, ils sont là, ils sont là. Ok, il y a les SP qui prennent en charge les victimes. Pour nous, la zone est sécurisée. Je vais faire le tour du bâtiment qui est en face, là, à gauche. Regardez, les SP font des reconnaissances, là. Ok, ça m'a l'air d'être... C'est bon partout par ici. Regardez, là, ouais, c'est mon tas de... De victimes. De tous ceux qui m'ont tiré dessus. J'ai vu qu'il y avait un garage là qui s'ouvrait. Ok. C'est sécurisé ici aussi. La porte est condamnée. Celui-là, il s'ouvre pas. Ok. Impeccable. Pour nous, la zone va être complètement clear, les gars. Ok. Bon, je vais récupérer mes hommes. Moi, je sais pas trop où ils sont. Là, il y a les collègues qui vont voilà, qui vont prendre les personnes en charge. Ici, les VSAV également prennent en charge les victimes. Regardez, là, il y a des VSAV, il y a les collègues de la police qui sont présents. Il y a pas mal de monde, il y a pas mal de monde. J'ai bien géré tout seul parce que mes collègues, j'ai un peu l'impression qu'ils étaient, comment dire, inefficaces sur l'intervention. Donc je suis bien content, je suis bien content. Là, qu'est-ce que c'est, ça? D'accord, il y a des pompiers qui font des trucs avec des brancards ici. Moi, je vais me rapprocher de là-bas, récupérer mon véhicule. Mes collègues, eux, je sais pas trop où ils sont. Ils sont encore très certainement dans le bâtiment. Je suis obligé de marcher parce que là, je crois que je vais faire un arrêt cardiaque si je continue à courir. Donc je vais chercher ma Mégane. Ma Focus, pardon. Et puis je vais retourner récupérer les hommes. Hop. C'est où ça, Racetrack? Attendez, c'est ici, les gars. C'est ici, il y a une personne qui aurait été vue avec une arme par ici aussi. Donc est-ce que c'est un des membres en plus du crew là? Ok. Je vais aller voir ça, c'est sur l'hippodrome apparemment. C'est sur l'hippodrome. Comment je fais? Oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Comment je fais pour accéder? Apparemment il y a un individu armé sur l'hippodrome. Ok, là-bas j'ai vu. J'ai visuel sur la personne. C'est la gendarmerie! Lâchez votre arme! Lâchez votre arme là! Arrêtez-vous et lâchez votre arme! Ok, bon bah elle a pas coopéré, voilà, elle s'est fait flinguer. Ok, je redemande les sapeurs-pompiers, je leur demande de venir par ici. C'est quoi ça? Ok, d'accord, c'est moi qui ai fait ma fusée de détresse pour l'hélicoptère. Eh ben, la nuit commence déjà à passer. Je vais demander à un dragon, je vais lui demander de se poser, voir ce qu'il fait. Ok. Les gars, il y a deux dragons qui vont arriver là. On sécurise la zone. Alors, je sais pas s'ils descendent en rappel ou s'ils se posent ceux-là. Ok, eux ils descendent en rappel pour prendre la personne. Il y en a un deuxième qui arrive et qui va se poser, lui. Ok. Ils sont où là? Ils sont là-bas. Regardez, les gars, c'est pas magnifique, ça, franchement.
Il y a Dragon qui se pose sur la zone de l'intervention. Salut. Ok, merci. Je vais récupérer son arme avant toute chose. Ok, impeccable. Ok, ils prennent en charge. Ok. Allez, on va attendre qu'ils prennent en charge. Hein. Il y a toujours les collègues de l'autre côté là-bas dans la zone où il y a eu la première intervention. Ils sont sur place. Ok. Bah, il y a un des dragons qui se retire. Et le second qui prend en charge. Allez, nous les gars, on retourne au niveau de notre véhicule. Il va réussir à se faire exploser celui-là aussi. On retourne au niveau de notre véhicule qui est là que j'ai rapproché du coup. Et puis on n'est pas trop mal, hein. Pour nous ça va être bon. On a fait une bonne petite patrouille psych avec une partie journée, une partie nuit. Grosse intervention, la prise d'otage. Franchement, j'ai bien kiffé. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu plus soft quand même. Mais je m'en suis bien sorti. Allez, pour nous les amis, ça va être la fin de cette petite patrouille avec le PSIG de la Gendarmerie Nationale de Sandy Shore. Nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, les gars, ce que vous pensez des nouvelles vidéos, des nouvelles miniatures ces derniers temps. Et puis moi, j'attends vos retours en commentaire ou sur Discord. C'était Drixis. Ciao, bye bye les amis.